Allez, départ imminent, les poulies se regroupent. Sont en ligne. Départ validé de notre première épreuve course réservée aux poulies de 3 ans. On est bien parti tout de suite avec Eric Letouzé, le 8 Elite Poulotte. Bon départ aussi à noter pour le 4 Elfie Turgot, le 9 Electra Win qui est là et le 10 Ngala de Louf. On est bien parti tout près aussi en 5e position actuellement avec le 10 Eva Derpé. Départ a été assez lent pour l'As éternel Léa Gabin. Qu'on retrouve assez loin, même qui a été disqualifié. L'As éternel Léa Gabin est disqualifié. On est assez loin aussi avec le 3 et Coquine et le 6 Espérance Dumont. Concurrents vont sortir du premier tournant et aborder pour la première fois eh bien, la ligne droite des tribunes avec une nouvelle disqualification pour le 4 Elfie Turgot. Voilà, les pouliches sont à maintenant 2 tours de l'arrivée. C'est le 9 Electra Wind qui a pris les commandes de l'épreuve. On est bien placé aussi avec le 8 Elite Poulotte, le 12 Eva Derpé s'est bien rapproché. 3e en 4e position, le 10 Ngala de Loup avec la favorite de l'épreuve, le 11 Elite Turgot qui s'est rapproché 5e. On est un petit peu plus en 6e position avec Exaltation Citron, le numéro 14 et le 2 Eva de Bouer qui attend actuellement en 7e position. On trouve un petit peu plus loin la présence des numéros 13 et 5, c'est-à-dire Estraya du Belvert et le 5 est la deuxième. Pouliche aborde à la ligne d'en face et pour l'instant sans changement, c'est le 9 Electra Wind qui emmène le peloton avec Franck Giroir aux commandes. Deuxième position bien calée dans son sillage, le 8 Elite Poulotte, Eric Letouzé. En troisième place, nous avons toujours eh bien, le numéro 12 Eva Derpé avec Sébastien Ouivet qui attend donc tout près troisième. Un peu plus loin sur une troisième ligne côté corde, le 10 Ngala de Loup et à son extérieur la favorite, le 11 Elite Turgot, Rodolphe Lagadec qui est donc tout près cinquième. Un petit peu plus loin, eh bien, nous avons le numéro 14 Exaltation Citron, l'entraînement de Loïc Claude Abrivard qui attend donc un petit peu plus loin, sixième. Voilà, les pouliches vont sortir une nouvelle fois du tournant et passer une deuxième fois devant les tribunes. Il reste un petit peu plus d'un tour à parcourir. Ça va bien pour l'instant pour Franck Giroir qui contrôle avec le 9 Electra Wind. Vient à son extérieur Sébastien Ouivet, le 12 Eva Derpé. En troisième position, côté corde, le 8 Elite Poulotte avec le 11 qui est là tout près. C'est la favorite, donc Elite Turgot qui attend facilement quatrième. Un peu plus loin, le 10 Ngala de Loup avec pas mal de ressources côté corde sur une troisième ligne. On va essayer de se rapprocher avec le 13 Estraya du Belvert qui vient actuellement 6. Et en 7e position, eh bien, nous avons le 14 Exaltation en Citron. Avec une faute dans le tournant du 9 Electra Wind. Le 9 est disqualifié, le 9 est disqualifié. Elles abordent la ligne d'en face pour la dernière fois avec le 12 Eva Derpé qui a pris l'avantage sur le 8 Elite Poulotte en 3e position. Le 11 Elite qui est là tout près, c'est Elite Turgot avec Ngala de Loup. Le numéro 10 qui est facile, 4e et qui attend son heure côté corde avec aux commandes Damien Desbordes. Les concurrents sont bientôt au bout de la ligne d'en face. On va essayer de revenir un petit peu plus loin avec le 13 Estraya du Belvert et le 14 Exaltation Citron. Le 7 a été disqualifié. Elles sont rentrées dans le dernier tournant à environ 400 mètres de l'arrivée avec le 12 qui a toujours l'avantage, c'est Eva Derpé en deuxième position. On retrouve le numéro 8 Elite Poulotte et vient tout à l'extérieur la favorite, le 11 Elite Turgot, Rodolphe Lagadec qui va essayer de venir de plus en plus fort. En quatrième position, on retrouve le 10 Ngala de Loup. Elle sort du dernier tournant pour aborder la dernière ligne droite avec la favorite qui vient de plus en plus fort maintenant menacer Eva Derpé. Voilà, chose faite avec Elite Turgot, le 11 qui a pris l'avantage sur le 12 Eva Derpé et le 8 Elite Poulotte. On va essayer de bien finir avec le 10 Ngala de Loup, mais la victoire pour la favorite, Rodolphe Lagadec qui s'impose avec Elite Turgot en deuxième position, le numéro 12 Eva Derpé et troisième place sans doute pour le 8 Elite Poulotte.